a animé les manches de manière magistrale. Ils sont venus avec leur cloche pour le monde de VTT. Entendez l'homme. Allons, on vous entend bien là. Tout le rouge vêtu pour le club du Bouscat, Paul Lavoirie. La cloche du Titanic pour le club d'Anglette, lui semble en disco. Attention, la veillant du bruit aussi. Pour d'Anglais, Maxime Pelletier. Pour le club d'Anglette, une deuxième fois, Mathieu Vallée. Attention pour le Stade Montois. Une première fois, Tony Moscatello. Et pour le Stade Montois, une deuxième fois, Pierre-Louis Richoux. Messieurs, c'est à vous, silence, s'il vous plaît. C'est parti, viens nous voir. En plus, c'est première ligne, là, attention. Attention, tu veux nous scaler, non. Mais non, ah, c'est lui, c'est le 14, c'est quoi. Simplement, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, attention, attention, allez, nous scaler, on va voir, on va voir, attention, position pour l'instant. Pour aller au podium, c'est toi, c'est le premier ministre de l'Aquitaine, qui la tient. Waouh, et c'est pas passé, et nous pouvons encore, c'est un peu attention de 4, chute général. Général dans ce virage, et pour l'instant donc, c'est une qui reste à la fixation des plaques du jeu en première position. La deuxième place, elle est pour la plaque numéro 10, c'est la distance de l'enquête. Et la troisième position revient au Stade Montois. C'est Tony Moscatello qui pour l'instant prend cette troisième place, alors que les pilotes se relèvent. Attention, là le podium, il était complet. À très très belle lutte, mais malheureusement c'est pas passé dans ce virage-là, entre pilote et enquête. Le pilote du Bouscat, pilote de l'onde de VTT, c'est pas passé. On peut les applaudir, là ils se sont relevés. On peut les applaudir. Antoine Delorme, Paul Lavoirie,